Allez, go, parlez-nous de ce sprint, troisième place, plutôt un bon début pour ce Dauphiné. Ouais, c'est un bon début. J'avais dit ce matin qu'il n'y aurait pas beaucoup d'opportunités, donc il faut les saisir. Et voilà, je me contente de cette troisième place. Je pense que j'aurais peut-être pu mieux faire, mais voilà, ça reste un bon résultat. Et faut aussi savourer. C'était le placement dans le final qui était hyper important, on a vu notamment avec Matt. Ouais, le placement il était hyper important. Après, j'ai pu compter sur l'aide de Vito qui a fait vraiment un travail incroyable. Et ouais, j'ai peut-être un petit regret, c'est de ne pas avoir pris la roue de Pedersen parce que finalement la ligne est arrivée très très vite, plus vite que je le pensais. Mais voilà, ça fait partie du sprint. Et puis les deux qui sont devant moi, c'est pas n'importe qui, donc ça reste bien. Racontez-nous un peu justement comment ça s'est passé, l'approche de ce sprint, c'est 4 km presque tout droit. C'est vrai que ça a été compliqué et nerveux, on avait pas mal discuté les deux tours avant. C'est ce qu'on s'était dit, il fallait pas non plus arriver en place trop tôt. Et voilà, on a quand même eu le bon timing, Vito a été très très fort. Et puis voilà, ça reste du bon boulot. Bon, un petit maillot distinctif en France en plus devant votre public, c'est pas mal j'imagine. Ouais, voilà, c'est sûr, c'est bien. Il y a 2 ans, j'avais eu le maillot vert. C'était pas, voilà, je l'avais eu, je sais plus comment on dit le terme exact, mais ouais, ça fait plaisir de retrouver un maillot distinctif, de remonter sur le podium aussi. J'ai eu une phase un peu compliquée en enchaînant les galères, donc c'est bien. Allez, go, parlez-nous de ce sprint, troisième place.